18 années. Elle fut condamnée à mort et guillotinée le 26 février 1852 sur la place du Champ de Mars, à Rennes. L'âme tourmentée de la Jégado s'en était allée. Vous savez, les Bretons ne craignaient pas la mort, car pour eux, ce n'était que le commencement. Mais l'Ankou et les âmes des trépassés, comme celle de la Jégado, c'est une autre histoire. Il n'était pas rare autrefois, à la Toussaint par exemple, que l'on garde quelques crêpes pour ces âmes de l'autre monde, au cas où. Au cas où elles reviendraient. Et vous, chers amis, avez-vous peur? Avez-vous peur de ces âmes qui n'ont pas su trouver le chemin du paradis ?